Messieurs, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Donc on a coupé la musique un peu. Alors je suis désolé, la musique ne se lance pas à un changement de scène parce qu'elle n'est pas mémorisée. Enfin voilà. Donc merci donc à toutes celles et ceux qui sont toujours sur le chat. On a perdu 100 personnes parce que j'ai dit qu'on pouvait aller faire pipi, donc tout le monde en a profité. Pipi. Je voulais vous montrer un truc. Alors évidemment, les coulisses du streaming français, n'est-ce pas? Je suis allé me faire une petite collation. Ah, la même, je suis en train de le prendre en photo. Onze. C'est la même pour moi et moi ça chauffe. Ah, alors, je sais qu'on est sur un streaming professionnel, on n'est pas chez Eclipsia, ici on peut manger en live. Pardon. Et alors évidemment, bienvenue dans cette vidéo ASMR. Oh non. Ça. C'est bien. Maximum. Je rappelle qu'on ne joue pas avec la nourriture, sauf si c'est elle qui commence. Bon, alors messieurs. Ah, c'est tweeté. Incroyable. Je pense que le mec nous a sorti un otako ou un kebab ou un bucket de KFC absolument atroce. Je vous invite à aller voir. On va aller voir le tweet d'Emeric. Parce qu'on a absolument... Voilà. Rien d'autre à foutre. Parce que, évidemment, alors... Je pense que je vais mettre ça partout sur mon... Alors, sache que j'ai descendu un paquet de ça cet après-midi. Ah, oh, il est beau. Alors, regardez-moi ça. Le mec n'a absolument aucune race. Le mec te tweet ça au calme. Il s'en balance de vous tous. Regardez, vous avez faim? Eh ben, tant pis. Voilà. Ça, c'est Emeric Kawa qui vous jette son bonheur à la figure. Je vous aime. Abonnez-moi. Ah oui, t'as mis la photo, carrément. Ah bah, attends. Ouais. Le mec vous fait saliver comme un sagouin. Sans aucune forme de respect aucune. Allez. Merci, bon appétit, tout ça. Du coup, restons. Alors, je mets quel volant? Oh là là, mec. On fait du touring car. Le volant en Suède. Ouais, donc je vais mettre l'autre. Ouais, justement, c'est celui que j'allais mettre. Ah bah non, il est pas. Je l'ai pas. Merde, sur Réassoum, j'ai pas fait celui-là. Oh là là. Mais tu sais qu'il se paramètre de base, hein, Emeric. Ah, si je mets la roue du T300 d'origine, ça passe. Mais n'importe laquelle. Il reparamètre les mêmes touches, mais sur d'autres boutons. T'es pas obligé à chaque fois de reconfigurer. Ah, c'est pas comme sur les racines. Par contre, okay. Ouais, je vais remonter un petit peu. je vais remonter un petit peu mes petits camarades parce que depuis tout à l'heure vous les entendez du fond des cabinets. Voilà. Allô, Jérôme? Mais... C'est parce que je suis vraiment au cabinet. Ouais. Ah, ça pousse. Ça pousse dans cette salle, c'est terrible. Ah, alors quand Andy Miller passe des informations sur le canal interne hein, que je ne peux pas vous dévoiler, mais je pense qu'avec Emeric, il sera content de nous voir aller à Zolder. Ah, bon, enculé. Oh, j'ai vu ça, j'ai fait ah non. Ça date d'il y a 2 heures. Bon, c'est pas grave. Ah bah oui. Ah oui, bah oui, mais j'ai... oui. Ah là, joli micro. Tellement une saleté de PLS incroyable. C'est bien la Belgique, hein. Viens-y, c'est bien français ça. Ah mais elle est tellement belle. Tu n'as qu'à y venir au mois de septembre, mon cher ami. On va dire que le sim racing a de belles heures devant elle. Le sim racing a de belles heures devant lui. Ouais, et l'orthophoniste a de belles séances. Ouais, ça va, tout va bien. Ouais. Oui, la Corona, hashtag Thierry Neuville, hein. Les seuls sauront. Bon, allez. Fini de déguster des mets belges. Ah, n'oubliez pas de recalibrer votre volant aussi. Oui. Ah oui, la calibration. Californie. Je me mute le temps de faire tous les transferts de volant et tout ça, sinon ça fait un gros bordel. C'est qu'on avait, on n'a pas eu 5 minutes de pause en plus, c'est ça qui est bien. Non, mais je suis descendu, le temps de prendre la bière, machin. Ah bref, j'arrive. Alors, du coup, on a le temps de trouver une session sur Rassroom. Ah, et Rassroom Racing Experience. J'espère qu'on fera pas plusieurs fois les qualifs. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Oh, enculé. Merci à tous, abonnez-vous. Ah, mais le mec n'a peur de rien, quoi. L'homme qui prenait le plus de procès à la minute, quoi. Je m'en bats les c'est couilles. Ça. Ah merde, je suis en mode spec, fais chier. Oh. Ah alors, bah oui. Oh, du coup, cet homme me fait penser à tout. Oui, parce que moi je prépare mes lives comme ma compote, c'est-à-dire à la main. La team chaussette. Ah, n'hésitez pas. Hein. Team Cédu, team chaussette, team chaussure. Nicky Team. Pour moi, ce sera. Qui joue à FIFA, LOL. Ah, il fait un live FIFA. Non mais lol. Bon, du coup, je vais aller voir si mes cordons bleus sont cuivres. Bisous. Mais t'es sérieux? Mais t'es pas sérieux, mec?
Ah, Franconen a mis un dislike. Oh, mais Franconen, on l'adore. Non, franchement, j'aime bien ce mec. Comme en vrai, j'espère sincèrement qu'il va pas prendre ce qu'on dit mal, parce que depuis le temps, on partage beaucoup de visions similaires dans le sim racing, etc. Donc honnêtement, sache mon cher Olivier qu'il n'y a aucun problème. Même rouler avec, ce serait sympa, pourquoi pas. Enfin, il a pas e-racing, mais je sais qu'il est beaucoup sur racing. Ah bon, mais... ça, il a pas e-racing. La dernière fois... Ouais. Tu joues à quoi, à part des simi-auto Maxou? Alors... FIFA. FIFA. Rocket League. Ah oui. Récemment, j'aurais bien voulu finir Dishonored 2, c'est toujours pas fait. Le dernier Tomb Raider, c'est toujours pas fait. Life is Strange avec Madame. Overcooked avec les bolos, là. Quand on a mais le j'aimerais temps. Bien y jouer, mais je l'ai pas. Il n'y a pas de multi, non? Il n'y a pas de multi. Il y a un jeu, là, que je vous ai envoyé la vidéo tout à l'heure, faut qu'on essaie. Blood Bowl, aussi. Non, ça, oui, mais il y a aussi celui que j'ai envoyé la vidéo, là, tout à l'heure. Ah, avec Squeezie. Oui, non, j'ai pas vu. Je vais pas te mentir, j'ai pas regardé. Ah, faut regarder. En fait, c'est genre des parties de films que tu dois, que tu dois écrire. C'est ah ça, oui. Ah, il faut. Ah, ça, c'est un truc. Ah, alors qu'on nous demande la compote de pommes qui était en préparation pré-live et qui n'est toujours pas arrivée. Alors, hop, je switch. Alors, la team claquette, c'est non. Ah non. Tu me dégages. Ça dégage. Ah, ouais, désolé. Alors que Emeric branche son Tenga vibrant. son vibro connecté. Oh, oui, c'est ce que j'allais dire. Oh, les fameux. Tu es moi. Je ne sais pas. Tu es moi. Je n'en peux plus, ces gens-là. Le truc, ça a baissé. Jeanne, au secours. Je n'en peux plus. Alors, merci pour la donation. Merci. Alors, sur le PayPal, c'est un don de la part de Live Twitch, mais tu as donné ton pseudo tout à l'heure, donc je vais le retrouver. Je bouge l'écran pour voir les commentaires quand je roule quand même. Hop, c'est Spartacus. Là. Merci Spartacus, du coup. Merci à toi. Décide. Alors, je vous le dis tout de suite, le jour où il y a du Overcooked en multi, préparez-vous à avoir des lives. Il y aura des lives, c'est sûr. Il y aura des lives, et il y aura des lives multivues. Hein. Chez moi, chez Andy, et pas chez, et pas chez moi. Ah, c'est sûr. Ah, ça, live, c'est pas compliqué. Ah, il branche son pédalier en moins de 2 minutes, course 42. Ah oui. Remember. Alors. I remember. Mettre d'affichage. There is not September. September. Barilla. C'est le meilleur pâte, c'est Barilla. Je viens de rédiger un tweet. La Rocket Team, évidemment. Oui, mon cher Mitchell. Faites un don pour acheter des nouveaux potes à Maxou. Ouais, d'ailleurs, Neville, tu ferais bien de passer le lien pour les dons. Oui, je peux plus le passer vu que je roule maintenant. Ah, alors que Karmar nous envoie sa pizza sur Twitter. Écoutez. Ah, je vais aller voir ça, tiens. Je vous ferai bien une photo de la mienne dans l'état où elle est sur mon lit, mais c'est un petit peu écœurant, donc on va arrêter. C'est quoi pizza, Overcooked c'est... Ah, bah il faut aller voir. Oh, trop cuit. Andy qui marque la bouffe. La bouffe. C'est trop bien la bouffe. Non, mais rien. Alors, messieurs, nous avons à notre disposition du WTCC 2016 et 2017 au Hungaroring. Est-ce que ça vous intéresse? Putain, oui. Alors, je viens de lancer le jeu, moi je. Ne vous précipitez pas. Hein. Alors, multijoueur. Attends, est-ce que c'est. Oh, incroyable! Ou alors, j'ai du DTM 2016 au Red Bull Ring. Ça peut être sympa. Mais on a déjà fait du Red Bull Ring tout à l'heure. Ah, on a de la Formule 3 à Zandvoort et je perds ma gorge. Est-ce que je l'ai? Oui, je pense que. Formula Race Room 3. 8 minutes de qualif, 8 minutes de course. C'est parti. Voilà, Formule 3 sur Zandvoort, messieurs. Le serveur s'appelle Formula Race Room 3. Pourquoi trouve-t-on des baignoires? J'ai pas le temps de lire. Pourquoi trouve-t-on des baignoires pleines d'eau sur le toit des voitures de police belge? Pour la sirène. Oh. C'est mignon. C'est mignon, je trouve. Oui. Oh, il est mignon. Pour une fois où c'est pas une blague, où vous avez l'air de con. Ah, oui. Je l'ai, c'était Zandvoort, c'est ça, hein, tu m'as dit. Zandvoort en Formule 3. On va commencer par ça. On est en qualification, il y avait 8 minutes. Oh, le con, il est dégueulasse. Il est dégueulasse, cet La dernière fois que j'ai roulé ce combo, c'était un peu mauvais. Ah oui, pardon, attendez. Taisez-vous. Je suis au courant du volume, je vais donc le baisser en conséquence. Ne vous inquiétez pas, normalement ça devrait être beaucoup plus audible. Alors. Je crois qu'on devrait vous entendre. Si on n'entend pas mes petits camarades, ne vous inquiétez pas, je modifierai un peu tout ça.
Alors, allô je désespère de trouver. Voilà. Ah, cool. Alors, il reste 4 minutes 40 de qualification. On est en F3 de Kazandvor. Venez nous rejoindre. Putain, je ne verrai plus cette voiture là. Socket. Incroyable. Placement de produit, Corona. Mais arrête. Il n'y avait pas un rétroviseur virtuel sur ce jeu? Alors, il y a le F11, mais je ne l'ai pas. Qui a 10 ans de bord dans F3? C'est moi, je crois. Ouais. Ouais. Sorry. RS. Je suis c'est formule ouf, ça. Incroyable, le mec ne se rappelle plus d'où il est le rétro. Lol. Ah, il est là. C'est pas F5 ou F4? Non, c'est où chez moi. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Taisez-vous, tout va bien. J'ai aucun réglage pour cette voiture, ça va être. Ah non, mais on y va. Brick, tu n'as pas de réglage pour la balance des freins et tout. On essaie de pas se foutre dedans. Hein. Genre lire le chat pendant qu'on est en piste. Oui. Ah, Maxime. On va pas vous mentir que pendant les sessions, on est tous les trois en piste. Ça va être un peu plus compliqué. Je pense feedback. Yellow flags ahead. Donc si vous voulez nous rejoindre sur Race Room, on est sur le serveur qui s'appelle Formula Race Room 3, donc Formule 3 tout simplement, sur Zandvoort aux Pays-Bas. Et il reste 2 minutes 45 de qualification. Donc venez nous rejoindre. Il n'y avait pas déjà le même circuit et voiture la fois précédente. Bon, la dernière fois, on n'avait pas fait 2F3, je crois. On avait déjà fait ce combo la dernière fois. J'en ai aucune idée. On en avait fait. On avait fait de la F3, mais c'était à Brandzach. Ah oui, c'était à Brandzach. On avait fait du DTM, je crois, sur sur Zandvoort. Écoutez, au risque de paraître vulgaire pour certains, on prend ce qui vient. Donc, voilà. Chercher une session, on était en qualification pour ne pas perdre trop de temps avec les essais. Il reste exactement 2 minutes. On va donc avoir une tentative pour faire la pole. On est les seuls à pouvoir faire un chrono. Je pense qu'il vient, ça me rappelle une copine. Il faut qu'on l'appelle. Hein. Ah oui. J'ai un gros problème au niveau des freins. Alors, désolé pour les affichages Steam, je retirerai ça à l'arrivée de la course. Enfin, à l'arrivée de la qualif, pardon, avant la course. Andy Wheeler qui prend la pole provisoire. Est-ce que tu as pris ta voiture, mon cher Andy? J'ai pris du pas numéro 17, évidemment. Alors, je sais pas si tu veux faire quelque chose pour ton micro, mais de notre côté, on t'entend d'un peu plus loin qu'Emeric. Ah bah attends, c'est mieux comme ça, peut-être? Oui, on est déjà mieux. Oui, j'ai pris ma numéro 17, évidemment, pour... Parce que voilà, je vais bien quitter tout. La balance de la voiture est ouf. C'est bien. Ah oui, non, c'est. Ça va bloquer. On va avoir acheté la voiture pour jouer, c'est mieux. Maximonet, poussez-vous, j'arrive. Oh, je suis à l'arrêt complet. Ça existe des jeux payants en 2017, malheureusement. J'ai peur que. Faudra me le dire, mais si je chouffe dans mon micro, faudra me le dire. Non, ça va. Rentrer. Est-ce qu'on peut terminer son tour ou la séance s'arrête à zéro quoi qu'il arrive? Ah, comme d'habitude, elle s'arrête à zéro. Ah, c'est nul. Ah, il y a Rémi qui est dans la session, c'est cool. On commence à reconnaître les bons noms. Oh, putain, la balance des freins. Andy, tu as reçu le don, attends, je vais aller voir. Bah, déjà, merci. Ah, le mec de sur mon live me volait mon argent, incroyable. Eh, hey, quand même ça, d'habitude, c'est toi qui viens sur mes lives me ponctionnait de l'argent. Oui, j'ai reçu, merci beaucoup. J'ai jamais reçu un don pendant que j'étais chez toi, que t'étais en live. Hein. Je
Non, tu as fonctionné mes abonnés, hein, bien sûr, parce que il y avait évidemment des abonnés de chez moi que, qui te connaissent pas. Oh, je suis dégoûté. Combien de tours? C'est 8 tours. 8 tours. Ah, pas beaucoup d'essence. Bah, en même temps, oui, non. Pression des freins, bah écoute. Voilà. Peut-être mettre un peu plus de carrossage hein, quand même parce que. Je l'ai mis à fond. Ah oui, du coup. Voilà, ça vous avez eu une fois Steam et vous ne l'aurez plus. Bah, on va voir, hein. On va prier. Pas de jaloux, non, Spartacus, pas de jaloux, c'était pour me moquer de mon ami Andy. Bon, bien évidemment, ça y est. Toujours dans le. C'est déjà très généreux de ta part. Merci beaucoup. Au départ en F3, on ferme la porte. Derrière, c'est la foire d'empoigne du Pierre. T'as fait, Jacques. J'essaie de le déconcentrer comme je peux. Le Andy Wheeler. Andy Wheeler. Elle tient bien quand même, hein, cette petite dans la grande courbe. En fait, faut toujours accélérer, j'ai remarqué que celle-là. On dit qu'il y a le train arrière qui balade, hein, c'est clair. C'est comme ça que je la pilote. Ma boîte est beaucoup trop longue. Pas raccourci perso. Ça essaye dur, hein. Ah, il y a des siens. La bataille incroyable entre les deux pilotes de tête. Incroyable. La même derrière pour la troisième place, là. Ah, Rémi et toi ? Ouais, ouais. Super bien. Je l'évoque jamais assez ce circuit, mais j'adore Zandvoort. C'est là où j'ai eu ma première course en Formule Renault 2 Litres sur iRacing, et franchement, c'est un circuit génial pour la monoplace. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'autre chose que de la monoplace, c'est un peu compliqué. Hein. Déjà le DTM, moi j'aimais pas à l'époque, je trouve ça trop gros. À cause du chat, j'ai failli freiner au pas de trop tard. Petit rappel à l'ordre. Du style, arrête de lire le chat, gros con. Ça fait toujours plaisir. Non. Très large. C'était
très très large cette histoire. Ça, c'était très survivor aussi cette histoire. Je commence aussi. Autant d'avoir mis un peu plus d'appui quand même, sinon j'aurais déjà perdu une fois ou deux. Ah moi j'ai rien touché, c'est horrible. C'est chaud. Ah bah une droite, je vais essayer de lire un peu. Elle glisse beaucoup là. En mi-virage, elle est atroce. Je l'ai remise en première, j'ai fait la petite bêtise. Ah, ça survire pas mal quand même. Ah, je l'ai perdu comme je l'ai perdu à. À. Hearthstone, non ? Non, c'était où putain ? C'était où Salzbourg ? Salzburg, ouais. Au Salzburg où j'étais premier pendant 100 mètres et je la perds après. J'ai tendance à être trop sur le vibreur comme Miracine, mais c'est pas la même chose ici. Ah, celle-là, elle aime pas les vibreurs. Non. Bon, on a fait la même. Ouais, en allant sur le vibreur en disant à Emmerich de pas le faire en fait. Ouais, il y a des vibreurs sur lesquels tu peux aller, mais faut savoir. Ouais, voilà, ça peut se faire plat. Il reste 1:10. Quoi ? Il reste 1:10 au chrono. Incroyable. Un tour de plus. Appel de phare sur cette voiture là-haut. Moi je vois rien, j'ai le halo qui me jette. Lol. Un track limit pour avoir été dans la pit lane. Avertissement. Ah, moi aussi. Je pourrais faire l'enfoiré et de passer à travers. Quoi ? J'ai un slowdown. Moi aussi. Incroyable. Non ! Non ! En maxon, c'est dégueulasse ! Alors ça, c'est très mal fait par contre. Le fait de pouvoir... Oh, il est beau. Non, il est beau, pas beau. Il l'a perdu comme un bleu. Ah, il est pas beau. C'est dégueulasse. J'étais sur l'extérieur et la balance n'était pas juste. Ça aurait de toute façon pas été juste d'aller te dépasser parce qu'on n'avait pas la... On n'avait pas à me favoriser, on était tous les deux dans la même situation. Tu te rends compte, je me serais fait voler comme toi, tu t'es fait voler chez Pirelli. Hein ? Ah oui. Pardon ?
Tu sais, sur le petit tracé en moteur miniature. Oh là là. Ah, il a joué psychologique, hein, il veut me vénère. Ma calamateur, elle est en panne. Ma main, elle va pas être en panne sur ta joue droite, hein, mon grand. Tu sens le final dégueulasse. C'est qui était parqué là? Incroyable! Messieurs, je veux rien dire, mais on fait le même podium qu'à IRL à Spa. Oh là là, messieurs! Quelle belle bagarre! Andy Wheeler. Andy disqualifié. Laissez des pouces bleus! Andy disqualifié, faites des dons. Ah, c'est magnifique. Ah, my god, je suis tellement content. Directeur, le slow-down dégueulasse. Belle bagarre, mon cher ami. Bon, j'ai été meilleur. Ah, le mec il tire sur le corbillard, aucun respect. Non, franchement, très belle bagarre, sachant qu'en plus, je roule avec cette voiture là en championnat. J'ai roulé sur ce tracé là en championnat avec cette voiture là. Pas max tout, donc franchement, respect. Bravo, tiens, bien. Belle bagarre. Et j'ai quand même été meilleur. Martin Vendroy, salut Maxou, comment vas-tu? Ça va bien, Martin, et toi? Ça fait longtemps qu'on s'est plus vu. Enfin, tu es revenu il y a pas longtemps. Un petit coucher. Alors, on nous demande du DTM. Alors, dites-nous 2015 ou 2016, comme ça on sait aussi ce qu'on veut vous proposer. T'as tous les jeux de mots que je vois avec mon nom, c'est ridicule. C'est quoi ce clin? Ouais, non. Andy Wheeler du Worms Racing qui impose sa monoplace. Incroyable du flon. Voilà. C'est une belle victoire. Je tiens à. Oh, le podium. Screenshot. Je tiens à remercier mes sponsors, Esprit, et tu l'as. Et voilà. Ah, connexion à la prochaine épreuve, il y a une deuxième course. Ah bah écoutez, on fait la... Est-ce qu'on fait la belle? Est-ce qu'on fait la revanche? Allez. Moi ça me va, hein. Même si on est que deux, tant pis. Non, mais restons, on va faire celle-là. De toute façon, on a dit qu'on faisait ça pendant encore une heure, donc s'il faut, on déborde un peu sur l'horaire, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'horaire. Désolé. Ah, c'est pas grave, Révi Vandal, c'était super propre, t'as bien... C'était propre. C'était une belle bagarre, j'ai glissé une fois, il a glissé une fois, mais sinon c'était propre. Alors, Budkart, si vous voulez nous rejoindre, on est sur le serveur qui s'appelle Formula Race Room 3 à Zandvoort sur... Ah bah non, ça repart en essai, j'ai rien dit. Non ? Ok, bon bah alors c'est pas grave, on va quitter, on va aller se faire... Ah mais ça change de circuit en fait. Ah oui, au Canaim, ok. Donc on quitte ? Ouais. Quittons les amis, comme Marcel qui était... Voilà, donc n'hésitez pas à Pozzo Racing. Romain Marteau qui dit bonne nuit. On a du DTM en essai au Nürburgring. On t'entend, Emric, hein, du coup. J'ai juste ouvert le paquet. Oh, joli le jeu de mots. Vous êtes en direct, une course Andy à Blé. Magnifique. Écoutez, je vois qu'il y a du DTM 2016 au Nürburgring en essai. Oula. Comment s'appelle le serveur, s'il te plaît? Vous voulez pas alors, le serveur s'appelle... Désolé. Oh putain, mais oh, le mec, quoi. S'appelle RRDTM 2016 au Nürburgring. 8 minutes de qualif, 5 minutes d'entraînement, 8 minutes de course. Le RR, il est entre crochets. Ouais, RR entre crochets, puis DTM 2016. Est-ce qu'on cheat en prenant tout de suite la Merco ou... Je crois que la dernière fois, j'avais pris la BMW, donc je vais chercher l'Audi. Comment tu dis qu'il s'appelait? RR entre crochets, ensuite DTM 2016, et c'est sur, je viens de le dire, le Nürburgring. Oui, c'est les essais là, ok. En essai, 0 sur 30. DTM 2016. 0 sur 30. Essai, taux. Durée de qualif, 8 minutes. Nürburgring, durée de course, 5 minutes de qualif, 8 minutes de course. Et 5 minutes d'entraînement. Arnaud qui nous dit à cause de toi, je viens de manger des spéculoos périmés, je suis pas bien. Hashtag je suis pas bien. Salut Adi. T'as pas le droit. Salut Maxence, salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Est-ce que tu aurais le temps, mon cher Emric, de nous repasser un petit peu le lien vers les donations sur le lien, sur le chat? Oulala, attends. Pour. Merci Alexis qui met le nom du serveur sur le chat. C'est quoi? Tu veux quoi là? Je veux tout. En plaquette de vin. Non, j'aimerais bien que tu remettes le lien vers les donations, si tu sais. Après cette victoire, c'est handicapé. Eh oui, écoutez.
Non, mais je suis vraiment fier de. Merci. Voilà. Donc, si vous voulez faire une donation, Emeric vous a donné le lien sur le chat. Les donations sont évidemment lues en direct. Donc, si vous voulez même un petit geste, c'est toujours le bienvenu. Et surtout, bah, accompagnez-le d'un petit message à lire en direct. C'est toujours plus sympa. Il y avait une série comme ça sur YouTube. Un petit geste pour ma planète. Voilà. C'est pour ça qu'on dit ça. C'est à la télé, ça. Non. Il y avait. C'est à la base, c'était à la télé, mais ils ont fait une parodie avec Mister MV, tout ça, machin. Ils faisaient un faux journal comme ça. C'était pas Bategaël. C'est ça. Si, c'est ça. C'était lui qui faisait ça. Un petit geste. Ouais. C'était. Comment ça s'appelait, le Before sur Canal+. Oui. C'était une émission qui avait été faite par Studio Bagel. Là tu m'en demandes trop. Pour ceux qui connaissent la Belgique, ce que ça veut dire bagel, c'est exactement ça. Allez, on est parti. Ne vous plaignez pas de la vue, j'utilise toujours cette vue là. Est-ce qu'on n'utiliserait pas la boîte en H pour du DTM, ce serait bien ça. Moi je dis oui. En répartition, voilà. Je suis à 95 au niveau des freins, hein. Vous pouvez monter à 94, 95 parce qu'à mon avis. Ah, c'est le petit circuit! Ah, c'est le circuit des faibles! Ah, lol! J'étais parti pour prendre les S et finalement pas du tout! Ah! Est-ce que j'ai mis le DRS? Non! Voilà. Ah, visiblement, il y en a qui sont trompés, hein! Il y en a qui sont partis vers l'épingle du fond. Voilà. Bah, vous dépêchez pas, on est en fin d'essai, hein, donc. Je me suis planté. Anti-planté. Si putain, le DRS. C'est ça, c'est le désabit. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Un viewer malade. Danger Zone, cette blague est approuvée. Voilà. On attend qu'il fait un très joli compliment. En tout cas, moi ça me va droit au portefeuille. Ah, alors, là. Il me dit quand tu regardes certaines courses à la télé, tu dis que Maxou ferait mieux. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ah ouais, il y a des youtubeuses qui font du Dirt 4 qui sont quand même aussi. Alors, RR DTM 2016 pour le serveur, bien entendu. On est sur Race Room Pika. Race Room Racing Experience. Il y a Alexis Coustiou qui dit j'ai trouvé une TDM en couleur de Force India. Oui, je l'ai prise moi d'ailleurs. La Mercedes rose, ouais, qui est plutôt ouais, sympa. La BWT en fait. Par contre, j'arrive plus à rouler ça. Bah, forcément, c'est fin de session. On va passer au qualif. On est sur Race Room. Ah, comme dirait les califs. Ah oui, d'accord. Un bien incroyable. Alors je tiens à m'excuser auprès de la personne que j'ai défoncé. Mais c'est moi, Max. Mais quel trou de balle, mais. Oui. Allez, un gosse on l'engueule quoi. J'aime quand tu me donnes mon petit nom comme ça. Un trou de balle. Mais non, mais c'est parce que je suis allé à fond dans les stands. Et t'étais à la sortie des stands, donc du coup forcément bah, ça a beaucoup moins bien marché. Je faisais un truc qui s'appelle respecter le règlement, tu m'excuseras. C'est ça. Bah écoute, d'ailleurs j'étais un peu trop vite dans les box. J'ai pas le temps de respecter. T'étais juste devant moi, Rami. En fait Andy m'est passé à travers et puis il t'a défoncé. Comme un spa, lol. Pardon. Comme dans le gîte, lol. Ah, avec la sorcière. Ah. Ah mais c'est le fil, il n'y a plus de DRS du coup maintenant. Non mais je sais toujours pas quelle touche j'ai mappé donc ça va être très drôle. Alors ça doit être ta touche PIT sur ton volant. De base. Ah oui mais j'ai pas mis celui-là. Oui je le garde pour y rasser. Comme ça on l'a bien vu la livrée Force India. Oui Alexis a raison. Oui. Là on l'a bien vu. Ah. Alors que Solitaris m'appelle Andy Trou de Balle, merci. C'était pas Neuville ? Ah, je croyais que c'est Neuville. Il faut quand même un joli bruit ces DTM. Ah, carrément. Mais elles seront plus l'année prochaine. Ah si, il y a toujours BM et Audi. Ouais, voilà. C'est quand même triste un championnat allemand sans les trois marques. Hashtag Andy Trou de Balle sur Twitter. Comme dirait Link, mais j'ai des contacts professionnels sur Twitter, non. Il
les gens qui s'écartent parce que t'es en tour rapide mais qui le voient qu'au bout de 3 virages et t'as quand même déjà pourri ton tour. Ah, attention, moi je m'énerve facilement pour les blue flags. Comme Vettel. Ah oui. Come on, the steering wheel. Come here, the steering wheel. Je crois que je pourrais refaire un tour parce que celui-là est à mettre à la poubelle, comme on dit. Un bon tour de merde. Hashtag Nicolas Prost. Silence du tryhard. C'est vrai que j'ai l'air, ça se pilote comme une monoplace quasiment. Ouais. Ah bah je suis pas dans la merde. Que la modération pourrait faire son travail, s'il vous plaît. Bah, t'as plus de modération. Ah, y'avait Neuville, mais. Ah, attends, je vais niquer mon tour. Ah bah, c'est fait. Non, non. Sinon, celui qui a fini le moins bien placé de la dernière course, il vient. Il fait que bloquer la modération. Il y a un moment, il faudra se bouger le fion. Pour genre quoi, rentrer un chrono? Non, pour non, que la personne qui est devant accélère. Au pire, tu laisses filer. Hein. Trop rapide, et voilà, il s'est barré. Et non, parce que juste devant lui, je savais que j'avais piste libre. C'est vrai qu'elles sont fans de piloter comme CDT. Alors. Bientôt Maxus sur Eurosport si on le voit piloter ainsi. Ouais, dites-moi. Je suis à 1 000ème avec le 5ème. Hop. Mon sac est fait. Pardon, c'est terminé. Je sais pas si certains ont la référence. Le mec hein. il sort des références à la con comme ça, random. Mais t'avais dit qu'on mangerait des knackis. Ah non, pas ça. Je me suis tapé les chocapics là à 1h du matin. La pub. Tape ce que tu veux. Hein. Non mais. Madame a décidé de mettre les pubs à 1h du matin sur YouTube. On lui clippera donc ce moment et on lui enverra en privé. Ah, elle le sait. Je l'ai même partagé sur Facebook. Machin. Oula, il y a un carnage. Avec combien de haches? Carnage. Les merdes. Et c'est le dernier tour de qualif. Ça m'énerve parce que j'aurais pas le DRS et je sais pas quelle touche c'est. Le retour en piste.
Art machin, je sais pas qui. Bon, bah mon temps il est mort. Je vais m'écarter pour ceux qui... Voilà, voilà. Sur attention messieurs, le retour en piste, s'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai un mec qui fait un retour en piste devant moi, alors j'ai amélioré. Ah, Marc il nous dit, alors on dit c'est cordon bleu. Ça en est où? Ah non, c'est pas je suis désolé, c'est pas cordon bleu, je me suis trompé tout à l'heure, c'était croque monsieur, pardon. Ce qui est quand même bien meilleur. Alors, je sors du jeu pour aller faire un petit pouc. Voilà. Ah, j'ai pas vu. Enzo nous dit, tu live jusqu'à quelle heure? Bah, je sais qu'on est là jusqu'à peut-être 2, 3, 4 heures. Donc voilà, de toute façon, on va faire celle-ci. Une fois qu'on a terminé cette course, on passera sur du iRacing. Donc voilà. C'est cela même. Là, oui. Ah, y'a que même temps de route, de course, de route. 8 minutes. J'ai mis 11 tours, ça devrait le faire. 8 minutes, j'ai mis 8 tours. Tu te dis que tu roules à 2 minutes au tour. Donc... J'ai failli ne pas prendre le départ parce que j'étais sur le chat. Hein. Ah, rien, c'est pas que... Arnaud qui vient de sortir, encore une référence sortie de nulle part. Miel Pops, c'est ps ps ps. Miel Pops, c'est ps ps ps. Oh my god! C'est un enfant. Ah bah, tu sais. Oh mais qui c'est qui est devant? Jumpstart, bonjour. J'ai pas Jumpstart sur vaisseau. Ah, d'accord. Bon, ça me pousse déjà dès le début. Alors que BWT a racheté le DTM. Ah, et on recommence. Mena Deo. J'ai retenu le pseudo. Merci, deux fois. Attends, on va voir notre premier. Ah, troisième fois. Maxime. Soirée. Merci, Maxime. Ah non, c'était pas Maxime, c'était une BM noire. BM, tu sais pas qui. Le cancer. Le cancer est en tête, qu'est-ce qui se passe dans ces courses en ligne là? Qu'est-ce qui se passe sur Internet là? Internet! Oh. Internet! Très mauvaise idée, c'est une très mauvaise idée. Ah mais non. Dolime. Et là c'est Maxime. Ah non, on est passé. Oui Enzo, on en connaît pas mal. Oh non! Il m'a défoncé! Ah bah j'ai eu le coup 4 fois. Hein, que... Ah je passe de 5ème à 24. Attention messieurs, ne tirez pas de conclusion trop hâtive, il n'y a pas que des abonnés hein, ici sur Race Room, il y a aussi des. Ouais non, c'est bien. Ça c'est le cancer du cinéma, c'est quoi ça? Ah, salut Rémi! Ah, salut Rémi! Vous êtes le maillon faible, au revoir! Sans famille, mais avec un stop and go. Venez avec nous. Non, non, non. Parce que là, le cringe arrive, c'est mon avis. Sorry. So sorry.
le sens venir gros comme moi. Oh, les retours en piste, incroyable! J'en ai plein les rétros. Désolé. C'est très chaud. Entre Hart et Winter. Ah, Johan, derrière c'est Johan avec qui on se bat, qui est donc un abonné, qui est donc français, n'est-ce pas? Erreur de débutant, oh la non, première sur le livreur. Putain, allez. Ah, Emeric Lorage quitte. Wow. S'il faut une course, c'est sûr. Il aurait apparemment crié JPP. La raison pourquoi à la fin du championnat c'est que Racing n'est plus de raison plus rien. Salut Max hein, si tu regardes. Oh je le sens. Ah oui, je l'aurais parié. Je l'aurais parié. Tiens, en même temps quand je vois le pseudo, ça m'étonne pas. Allez mais putain Guigui, t'es chiant. Fous trois bagnoles dehors pour putain. Alors je le regarde en... Tu sais salty. Mais non mais c'est chiant quoi. Par contre... Oh oui. Non mais à un moment donné c'est bon quoi. Il décroche et il te retape en fait le cul. C'est pas volontaire. Ah mais c'est chaque fois les mêmes en fait. Là j'ai rien demandé hein. C'est pas moi. Alors du coup je vais lire le rush kit. Oui il y a un moment où le cancer du Sim Racing moi ça. Je suis là pour m'améliorer pas pour rien. Hein. Je suis là pour ma Corona mais Doritos c'est tout. Ah ouais non mais c'est. Je suis très cool, très machin, mais on sort 6 fois, on t'attend même pas et on continue, on revient sur la piste comme vous voulez. Et... Ouais German Stock c'est parfait. Tirage in-game. Merde! Maxime Monet? Ouais, qui fait le retour en piste, mon dieu! Ils sont. Notre ami Lopez devant est allé faire un peu de. Tonte de gazon. Ah, Maxime voisin, oui, partaille, vous connaissez bien. Très, très chic. Bah, il a vis spoté tous. Alors depuis combien de temps tu es passionné par les voitures? Depuis que j'ai compris comment ça marchait, donc depuis que je suis gamin. Je peux pas donner un âge, mais depuis que je suis tout. Non mais d'où sort ces deux chewing-gum roses? Solidarisky. Ah oui, le kiwi par exemple. Ah
j'essaie de lire tous vos commentaires. Je vais pas être mon rabat-joie, mais quand même, depuis le début du live, vous êtes toujours plus de 300. Et c'est ouf. Merci à tous. Franchement, merci beaucoup, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais vous êtes encore 320. 330 même, et c'est un score assez impressionnant en même temps pour du sim racing, donc merci à vous d'être parmi nous ce soir. J'espère que vous vous amusez bien avec nos piètres niveaux de pilote. Je voudrais faire la même, mais avec une voix, avec l'écho, tu sais. Vous êtes ici ce soir, le petit baigneur, tu sais, dans l'église. Oui. Bon, désolé pour la rage hein, pendant cette course, mais elle était justifiée. Et il est minuit parfaitement. Voilà. Bonne année. Qui serait si spoté toi. Il te laisse tous passer. Non mais Arnaud, c'était des retardataires, alors, je pense. Enzo, il y a aucun problème. Tu peux être nul à chier. Tout le monde est bienvenu. Il faut juste être propre. On s'en fout. Tu peux être. Nous, on est déjà pas bon. Voilà. En plus. Ouais. Solitariste qui s'éclate oui. Et Twitter. Mais je crois que c'est l'homme qui dégaine plus vite que son nom sur Twitter, Solitariste, c'est un truc de fou. Et oui, du coup, c'est un test PC Racer pour nous. La P4. Et on salue aussi l'ami RC Neuville, hein, notre modérateur, qui nous dit qu'il vous invite à procéder à une donation. Si vous voulez faire un petit don sur le live, sentez-vous libre de le faire. Et évidemment, on lira votre message en live, quel que soit le montant. Si c'est, on a eu tout à l'heure quelqu'un qui a donné 1 euro, quelqu'un qui a donné beaucoup plus aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Quel que soit le. Alors je donne pas les montants parce que c'est aussi une forme de respect que vous me donniez 1 euro ou 10 ou 20 ou 30, peu importe. Enfin, pas peu importe, mais fondamentalement c'est le geste qui me touche. Et si on peut évidemment contribuer à grande ou à petite échelle, peu importe, c'est le geste moi que je retiens. Et surtout, mettez un petit message avec votre don, bien entendu. Messieurs, il est minuit. Est-ce qu'on fait la deuxième course? Ça me paraît un peu long. On va peut-être passer sur iRacing, je crois, non? C'est ça. Ouais, c'est bien. Parce que là, on est en essai. Pour Maxime qui est sur le chat, y'a pas de problème, mais c'est chiant. Merci c'est parce que c'est un lot, j'en ai eu 6 d'un coup, donc c'est chiant. Y'a pas de souci. Évidemment, Emeric qui achète ses rash kits comme ses copines par lot. Hein quoi? Par paquet de 12. Je vous invite, avant de passer sur iRacing, à bien recalibrer votre volant. On va sur iRacing. Ah, sur iRacing, ouais. Ah bah, du coup, il faut que je mette le volant rond, terrible. Oh, Comte Trao qui dit vous allez refaire de l'endurance sur iRacing, j'ai maté les 3 heures de Suzuka cet après-midi. Déjà merci. Ah, déjà merci. Bon. Donc déjà propre. Parce qu'il faut se les taper quand même. Ouais, c'est je pense que c'était aussi long pour vous que pour nous. Ça a été. Ah, moi j'ai pris un pied monumental, c'est ma catégorie préférée, alors. Moi j'en demande. Sans souci. Alors on va aller sur iRacing. Racing. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a comme course. Je sais pas si on va faire une pause pour être honnête avec vous. C'est toi qui vois. Parce que je vois qu'il est minuit 3 et je ne sais pas quand sont les prochaines courses en fait. Quand sont les feuilles à minuit 30. Minuit et demi les prochaines courses, ouais. Ah, je me permettrai de faire cette vanne. Les feuilles quand sont. Mais ça c'est des AQSR donc ça va être un peu. Mais non. We'll be right back.